Voici un effet avec une, deux, trois, quatre cartes dont je vais vous révéler l'identité dans un instant. Mais avant cela, nous allons sortir au hasard trois cartes du jeu. On va dire par exemple que les trois cartes choisies sont la dame de cœur, le 10 de cœur et l'as de carreau. Alors on va perdre ces trois cartes dans le jeu. Donc la dame, le 10 et l'as. Il y a trois endroits différents du jeu. Et nous les enfonçons dans le jeu, voilà, pour les perdre. On va mélanger, comme ceci. Et maintenant, je vais vous... Oui, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de carte choisie ni en dessous, ni d'ailleurs au-dessus du jeu. Je vais donc maintenant vous révéler l'identité des cartes que j'avais mises de côté. Et ces cartes, c'est le roi de carreau, le roi de trèfle, le roi de cœur et le roi de pique. Donc les quatre rois. Et ces quatre rois vont d'abord vous présenter un petit tour de magie. En effet, si je fais simplement une petite pirouette comme ceci, il y a un premier roi qui se retourne, comme vous pouvez le constater. Deuxième petite pirouette, et là maintenant, on a en fait carrément deux rois qui se sont retournés, comme vous pouvez le constater. On va tenter un troisième, petite pirouette comme ceci, et là, en effet, il y a un troisième roi qui maintenant s'est retourné. On va tenter maintenant de les retourner tous les quatre. Regardez, une dernière petite passe magique. Et là maintenant, tous les rois sont face en bas. Alors vous allez me dire, c'est bien, mais on n'a toujours pas retrouvé évidemment les cartes choisies. Et pour ce faire, c'est assez simple. On va perdre les rois dans le jeu. Regardez, petite passe magique comme ceci. Et là maintenant, les rois ont retrouvé chacun une, deux et trois cartes. Et les trois cartes sont évidemment les trois cartes choisies, c'est-à-dire l'as de carreau, le 10 de cœur et la dame de cœur.